Bonjour Audrey, et je voulais vous parler des CEF de base, donc le 1, le 2, le 5 de la série bleue. J'attends le 3 d'ici demain ou après-demain, je pense. Alors pour la petite histoire, ça a commencé ma maman qui voulait m'offrir pour mon anniversaire un CEF. Je connaissais de loin, mais j'avais jamais vraiment approfondi la chose, c'était pas le moment, certainement. Et donc, bref, elle me dit, pour ton anniversaire et pour Noël, je t'offre un CEF. Regarde. Bon, je suis allée voir, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé les avis, tous positifs, etc. Mais j'avais quand même un petit blocage avec le prix, en fait. Donc, comme j'avais vu qu'il fallait commencer par le 1 et le 2, je me suis dit, bon, je vais m'acheter le deuxième. Du coup, comme ça, je vais commencer par vraiment la base. Comment dire? Dès que je les ai reçus, je les ai portés sur moi et j'ai structuré de l'eau. Sauf que je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des vidéos que j'avais vues et j'avais structuré l'eau directement avec les deux CEF, le 1 et le 2 en même temps. Donc en fait, les 24 premières heures, donc j'avais dû commencer vers midi, quelque chose comme ça, le temps que je reçoive le colis, puis jusqu'au lendemain, je recevais comme j'avais comme une sensation d'électricité statique qui était dans ma peau et qui ressortait comme ça. Et ça me faisait des petits sursauts comme ça par moment. Donc le premier contact avec l'eau structurée et le fait de les porter, j'avais les mains et les avant-bras, les pieds et les jambes pleins de fourmillements, de picotements et ces effets d'électricité statique. Si bien que quand je sursautais comme ça, mon conjoint était à côté, il se demandait ce qui se passait. Donc j'ai quand même eu l'idée de re-regarder les vidéos et là je me suis dit oui effectivement, petite erreur. Donc j'ai refait comme c'est préconisé, hein, le numéro 1 le matin de quand on se réveille jusqu'à peu près 17h et le numéro 2 qui prend la relève. Sachant que j'ai après inclus le numéro 5 entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc pendant une heure ou deux en fait, et hop, je passais au numéro 2 et puis je dormais avec. Les premiers jours, tout est rentré dans l'ordre quand j'ai structuré convenablement les CEF. J'avais quand même des picotements au niveau des mains et des pieds, mais plus l'électricité statique. Vers le quatrième, cinquième jour, j'ai eu une poussée de boutons, plein de petits boutons sur le visage. Donc bah, des choses s'évacuaient, c'est certain. Et ce qui était vraiment impressionnant pour moi, parce que ça n'a pas été le cas pour mon conjoint, mes enfants ou ma mère d'ailleurs, mais pour ma part, j'ai dégonflé à vue d'œil au niveau des cuisses. Je fais de la rétention d'eau, j'ai assez mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes. Et là, j'avoue que ça m'a vraiment. C'était vraiment scotchant pour moi de voir qu'au jour le jour, en fait, je dégonflais. J'ai eu des pics. J'ai bu jusqu'à 4 litres par jour. En fait, je buvais en fonction. Quand j'avais soif, je buvais. Hein. J'avais pas d'objectif particulier. Mais sur les 2 mois, pendant au moins 3 semaines, j'ai bien bu les 4 litres, en fait. Et ça a été. J'ai arrêté au bout de 2 mois parce qu'en fait, ça s'est réduit jusqu'à 1,5 litre. Donc, j'ai supposé que mon corps avait nettoyé. Ce qu'il avait à faire, quoi, parce que je suis pas quelqu'un qui boit énormément en règle générale, j'ai du mal même à faire mon 1,5 litre. Donc là, de boire jusqu'à 4 litres, effectivement, c'était un petit peu bizarre pour moi. Donc après, c'est une question d'organisation entre les CEF et puis bah, partout où je vais, j'en ai la bouteille qui correspondait, etc. Donc voilà. L'effet aussi que j'ai eu, mais très rapidement. C'est comme si l'esprit était plus clair, plus oxygéné. Et là, j'ai eu une grosse envie de trier tous mes papiers de retard. Et Dieu sait qu'il y en avait. Du coup, voilà, pendant une semaine, j'avais vraiment l'esprit beaucoup plus clair qu'avant. Et puis après, ça a repris la normale. Mais c'est vrai que j'ai eu une belle petite période où j'ai vraiment eu le courage et l'envie de faire le ménage de printemps en automne. Voilà.
Ben, c'est ce que je peux dire pour le moment. Pour le numéro 5, antidépendance, je ne saurais pas dire vraiment ce qui lui appartient dans ce que j'ai eu, parce que je l'ai utilisé peut-être 2 semaines ou 3 semaines après les débuts avec les 1 et les 2. Donc, bon, je ne saurais pas dire les boutons, je les ai eus avant, etc. Donc, bon, j'ai aucun doute sur le fait. Ah oui, si, j'ai eu la langue blanche. Si, si, quand j'ai commencé le numéro 5, les premiers jours, je ne saurais pas dire combien de jours, j'ai eu la langue blanche et chargée. Donc, bon, bah, je suppose que c'est le foie qui a fait ce qu'il y avait à faire, hein, les mystères de l'organisme et du corps humain. Bah, écoutez, je remercie sincèrement Quantessence de nous distribuer ces beaux produits. Et puis, bah, l'inventeur, hein, évidemment, Monsieur Kolsoff. J'ai à présent beaucoup de CVF. Donc, je travaille sur tous les plans, que ce soit le plan physique, émotionnel, karmique, spirituel, tout ce qu'on veut. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au plaisir et bonne journée à tous.